Au programme de ce concert spirituel donné par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dimanche 1er mars à l'église Saint-Charles, sous la direction de Maurizio Donnes, Vivaldi et Schubert. C'est un concert spécial parce qu'il y a une anima très particulière. In Schubert, il y a toute la tradition de la simplicité, de la choralité, mais la profondité de l'harmonie de Schubert. Et la Deutsche Messe, c'est une chose particulière. Les solistes de ce concert étaient Angela Nicoli, Michela Nardella, Andrea Fuoli et Marijo Krinic, avec le très beau chœur San Gregorio Magno. Actuellement, le chœur aujourd'hui, le chœur s'est formé par 95 choristes, amatoriel, absolument. Ce sont des gens qui travaillent dans tous les parcs, dans le chemin de fer, à la banque, et se recueillent deux, trois fois par semaine pour travailler ensemble. Ils chantent beaucoup, ils chantent presque tous les répertoires. Ils ont la grande passion de la musique et pour cette passion, ils font des sacrifices incroyables. Partir le matin à 6 heures, rentrer à 4 heures de la nuit et après aller à travailler. Tout pour la passion, pour l'envie de chanter, de faire de la musique autour du monde. Ce Gloria est l'une des plus célèbres compositions de Vivaldi avec le Magnificat. Il y a là une connaissance du contrepoint et une écriture très brillante qui ne nuit pas du tout au message sacré.